Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous pouvons prendre une autre vidéo d'information. Mais avant, quittez-nous pour un petit temps pour nous remercier tout le monde qui est déjà abonné avec la chaîne. Tandis que sans vous-même, nous pouvons faire un effort pour nous améliorer la qualité de travail. Nous. Et nous-mêmes, si vous pouvez faire ça, nous demandons que vous fassiez ça. Kounia. Abonnez à la chaîne et activez la cloche de notification pour encourager et qu'on ne pas rater aucune prochaine vidéo. Nous. Et nous capables à diriger ensemble. Une bagaille qui plus préoccupe nous, c'est pas partage pouvoir, je me t'ai dit mais ça qui plus intéresse nous, c'est la revendication populaire. Pas oublier Gary, nous fait plus que 4 ans n'a porté ensemble des revendications pour nous arriver à aboutir avec ça en transition de rupture. Et si nous arriver remarquer dans dialogue, dans échange que nous avons avec Ariel ne pas permettre que nous arrivions à mettre base, jeter base pour nous casser le système là et arriver à bailler revendication de la population encore et faire appliquer. Par exemple, et permettre que les gens qui sont en dehors, les gens qui sont dans le ghetto, se sentent à vivre comme nous. Et permettre que les services de base arrivent à commencer et à atteindre les gens qui ont besoin. Et fait procès Petro Caribé, jugement bourreau, massacre la Saligno, fait conférence nationale souveraine, bien dialogue national, rivé avec une nouvelle constitution qui refait le système qui là, qui casse le système qui là, et qui permet que chaque haïtien ait même droit, même éducation, même droit à la santé, etc. Rivé, fait réforme au niveau institution, fait toute institution jouer un rôle, yo. Combattre la misère. C'est à son mandat. Combattre la sécurité. Sénateur, c'est à son mandat, oui? Non, écoutez, c'est pas un mandat seulement. C'est le fonctionnement même de l'État. Son bagage qui doit faire des cadeaux au jour les jours. Mais il y a un moment pour nous établir, pour nous jeter basio. Je crois que la transition, ça, la permet de nous jeter basio. Et au fur et à mesure qu'il n'a pas avancé, il a fortifié. Parce que la question des cadeaux de construction démocratique ou bien démocratie, son bagage qui fait sous les temps. C'est pas un bagage qui va prendre pour bon matin, venir et puis au fin de faire, au fin de aller. Ok, ton c'est au jour les jours pour entretien, au jour les jours à poser des actions qui a kembe des cadeaux et système qu'on veut établir, ou bien renforcer système qu'on veut établir, ou système côté tout le monde sentir à l'aise là-dedans. Ok, d'accord, sénateur. Problème peuple aujourd'hui, problème nous tout le pays, même si au-delà du problème grand gros, ça qui passe en grand sud, gros problème dans grand avine. OK, gros problème village de Dieu, gros problème dans Delma 2, gros problème dans Belay, gros problème dans Torcel, OK, gain problème ça dans Grandier, Négarmé, Cité Soleil, etc. prend contrôler une partie dans pays là. Et Marco se dit avec un pile précision et moi-même moi partager et ça fait m'a porter élément ça comme question. Li dit faut qu'on s'assise excessivement large puisque monsieur chef de gang yo, yo gen des nèg politiques qui contrôle yo, laisse an intégrer tout nèg yo, nèg politique yo a dit nèg yo déposer les armes. Nan ki mesure ou même ou ka aider pour nèg ki armé yo déposer les armes? Mam Djo Gary, après assassinat Jovenel, tout le monde a baissé les armes. Ou te senti, c'est un moment de trêve de gang. Mais mam Djo que c'est pas seulement moun nan ghetto yo, moun nan quartier populaire qui gen zam. Moun ki possède dans pays a tout yo gen zam. C'est comme si son pays qui armé totalement. C'est qu'on y a qui mécanisme qui vous permet que zam yo pas livré dans des banditistes, dans des actes banditistes, pour yo pas entrer dans nuit fonctionnement société a et pour yo pas participer dans crime, dans assassinat, dans massacre, dans kidnapping. Moi me pense que ça c'est responsabilité pouvoir l'État qui pour garder d'abord comment pour approcher question ça parce que c'est pas une simple problématique parce que couvre le parler situation qui là lui vient à la faveur des crises politiques yo et lui vient empirer avec Jovenel parce que les populations t'a sorti dans quartier populaire et Jovenel tire qu'il pas dit l'autre moyen pour te stopper population c'était fait nèg azam yo et brider population. Ah mais nèg azam ça yo vinn tellement puissant, yo vinn tellement prend autorité et beaucoup de Jovenel, ah mais yo vinn augmenter asnal yo et jodi a son l'autre situation,
non pas dans situation de d'affrontement, non pas dans situation côté gagner zen dans la rue, son situation de dialogue, de négociation, mais son occasion pour tout le monde de participer dans dialogue ça pour permettre que nous joignent non seulement solution politique, sociale, économique et sécuritaire. C'est important pour nous garder ça ensemble. Et moi crois que c'est un bagage qu'il faut garder avec des experts et garder tout comment pour nous rentrer dans quartier populaire pour nous faire social, comment pour nous faire réinsertion, comment pour nous parler avec des monde qui probablement yo ka gon zam nan mais yo mais pas de participer dans crime, yo pas de participer dans massacre. Ça veut dire qu'il y a des mondes qui sont capables de sauver toujours. Mais il y a des mondes tout, il faut qu'on crée des conditions. Si c'est assistance sociale, il y a bayo, assistance juridique, etc., pour nous aller devant la justice pour autant de nous, moi, je crois que tout ça, nous sommes capables de définir. Parce que nous ne sommes pas engagés dans une guerre avec les même population, ça, qui vivent du même côté avec les gens. Nous ne pas quitter ça. C'est ça que je crois que. Pouvoir qu'il a, ou bien gouvernement qu'il a, n'est pas profiter du momentum qui t'est offert là. Trêve qui t'est gagné pour lui regarder comment adresser le problème ça le plus rapide que possible. On croit tout, et qui acte tout avec l'enterre, parce que je dis à ça fait 2 mois depuis Jovenel mourir. Côté responsabilité acte pour priver fond dépassement et proposer un bagage à la nation. Par exemple, ça fait, et ça fait des faits que je dis à c'est Ariel qui a débrouillé le coup le connaît pour chercher un accord politique. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes trop différents. Par exemple, nous avons choisi les scènes, tout le monde vient de la gueule. Il a cherché l'autre solution. C'est-à-dire, nous, pas nous-mêmes, nous manquons de consistants, nous manquons de cohérents qui permettent que Jodia, après 2 mois, et la mort Jovenel, nous avons toujours tergiversé. Et pourquoi tout ça a eu un impact sur la situation sécuritaire dans le pays? C'est et c'est assez... ça, moi, je souhaite que son bagage qui est important pour nous garder sous le angle des cadeaux en termes de stratégie avec le monde qui connaît le métier, ça, qui connaît la question comment pour le travail, pour des désarmement, pour parler avec le monde, quartier populaire, etc. Comment pour faire dialogue social, etc. Tout bagage ça, pour nous finir avec la question ça. Et moi, je crois qu'il y a des possibilités par le fait qu'il y a été observé une trêve. Ça a montré qu'il y a une disposition quelque part que le pouvoir et l'État doivent exploiter. Sénateur Kassi, et dans le développement, là, on dit que nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est la revendication populaire, c'est le renforcement ou réforme institutionnelle dans le pays. Est-ce que ça veut dire, dans le cadre de transition, ça qu'on a parlé là, en fait, SDP n'est pas intéressé à aucun poste et dans le gouvernement? Écoutez, nous avons des expertises, nous avons des gens qui ont des connaissances en SDP. Et si les besoins fait sentir et conditions réunies pour nous mettre expertise à la disposition d'un gouvernement qui n'est pas à quoi avec, un pouvoir qui n'est pas à quoi avec, laissez SDP à prendre décision. Mais non pas pour participer dans le pouvoir à tout prix. Parce que si nous sommes pour ça, et il y a un peu de monde qui dit qu'il a offert nous 50%, qu'il a offert nous 95%, qu'il a offert nous 100% pour voir. Mais nous n'avons pas de ça veut dire, aujourd'hui, nous avons des revendications qui nous poursuivent avec la population. Et ces revendications qui mettent le peuple dans la rue. Et si nous avons des revendications, le peuple a tourné contre nous. Et c'est ça que fait nous-mêmes au niveau SDP, nous avons été attachés avec les revendications. D'abord, et l'enfin joindre des cadeaux acceptation yo nous fin joindre accord sur yo mais laissant nous regarder comment partager responsabilité et pas partager responsabilité n'importe comment parce que gien des monde nous pas pas décider chita avec yo en don gouvernement et pour et na diriger pendant que nous connaît que monde ça c'est démagogie c'est vagabondage je crois ça veut dire moi crois que ça qui est important c'est constituer une équipe et l'op constituer une équipe chercher jouer côté qui vous chercher bon joueur ou écouter de bons joueurs. Ce n'est pas une question de bail job. Et parce que pour le coupable, c'est avec Haïtien, avec le monde pour faire gouvernement. Il y a dit son partage de postes, il y a dit son partage de responsabilités, il y a dit son équipe et technique dynamique qu'on mette en place pour mener le gouvernement autour de ensemble de plans de bagages qui définit. Et il y a une boussole que le gouvernement sait bien, c'est à quoi qu'il y a besoin
et qui a permis que tout le monde yo bataille pour application à cause ça. C'est pas déjà condition à poser là yo, c'est pas déjà les conditions qui pour constituer des obstacles à quoi qu'on a parlé là, puisque vous dites le monde déjà nous pas chiter avec le gouvernement, nous pas souhaiter dans le gouvernement. Bonjour, si c'est pour ça, et c'est que c'est pouvoir nous pas chercher. Et l'homme dit pouvoir à tout prix. Parce que pas de monde qui a fait politique qui n'a pas besoin de pouvoir pour faire passer des cadeaux, projets politiques ou bien faire passer les revendications de la population. Et ce monde de ça qu'on a menti. Parce que pour qui ça la promesse, c'est arriver dans l'espace pouvoir pour transformer l'État et satisfaire les revendications de la population. Mais nous-mêmes, nous allons être d'accord pour une chita avec des assassins, des criminels. Nous voulons être d'accord pour nous chiter avec des gens qui te volent comme Petro-Caribé. Nous voulons être d'accord pour nous chiter avec des gens qui font massacre à Saline, Belé. Nous voulons être d'accord pour nous chiter avec des gens qui tuent Dorval et qui tuent un pilote l'autre monde toujours. Ça veut dire, ça, le crime de sang, crime financier, les gens qui font mauvaise gestion, ils n'ont pas qu'à participer dans le gouvernement journal. Je veux dire, on parle de gouvernement de transition, gouvernement de rupture. Ils n'ont pas capable. Ça veut dire, ça, ils ne prennent pas au sérieux. Et mais... c'est ça, yo, qui principe nous. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des problèmes avec. On gagne mon ou bien nous avons des problèmes avec PHTK. On a PHTK, mais sont honnêtes ou crédibles ou compétents pour qu'ils soient pas servis pays ou. Parce qu'on ne peut pas prendre tout PHTK et dire qu'on a dans le pays pour qui ça. Si vous êtes honnête, vous crédible, vous intègre, vous compétent, en météo, dans position pour vous servir. Mais si vous avez des criminels, quel qu'en soit côté de sortir, ils mettent sorti dans SDP, ils mettent sorti dans quel qu'en soit parti, fornicaté dans la transition de rupture. Et sénateur, et en pile monde comprenne et son constat que la gouvernance pays a c'est un petit groupe de monde qui assure pendant des décennies passées là yo. Ce groupe ça était là li ba l'autre petit groupe qui était dans au pouvoir là dans l'opposition après ça le tourner au pouvoir donc son cycle. Vous saute parler ou dit que si on monde par exemple fait gagote dans Petro-Caribé, c'est pas de monde certainement qui t'a doué dans gouvernement. Alors ce que les n'a regardé ensemble de monde et acteurs qui impliqué dans processus pour joindre accord pour joindre entente pour espérer y a un minimum de stabilité. Donc dans pile nan yo qui t'est participé dans gouvernement passé et certainement côté l'argent Petro-Caribé t'a dépensé. Par exemple si une prend tranche 2011-2016, dernière en fait, résolution sur Petro-Caribé, il prend au sous-privé, tout le monde connaît qui est le groupe monde qui t'a dirigé. Donc, est-ce que là, déjà, ce n'est pas un problème, ce n'est pas hypocrisie? Donc, là, on a dit, on a cherché à quoi comme ça? Bonjour. Moi-même, moi, c'est un monde qui respecte les journalistes. Et je voulais les journalistes à approcher les questions, à approcher son angle professionnalisme. C'est ça qu'il faut être, on est dans le cours Gary Pierre-Paul Charles, il y a un peu de respect pour lui. Je dis, c'est unique journaliste à travers le pays qui font enquête approfondie sur l'assassinat Jovenel. On l'autre fois encore, je salue Gary parce que nous sommes sur le quatrième acte et sur question ça. Et c'est pas un bagage qui était facile, parce que s'il était facile, l'autre journaliste t'a fait. Et probablement, maintenant, le cinquième acte là. Et parce que ça permet que en pile monde yo comprendre assassinat Jovenel là et yo pas attendre ces journalistes à l'étranger qui viennent faire. Et c'est même bagaille et pour question qu'on pose maintenant là, moi souhaiter que vous basez sur des faits. Parce que je dis à la question des Petro-Caribé, c'est pas rimel. Gen des dossiers, gen des rapports qui sortent, rapports yo, sous base rapport yo, n'a pas connait qui monde qui est impliqué là-dedans yo, qui monde et qui est indexé, et moun sa yo, en attendant que la justice prononce le sou yo, parce que jusqu'à présent, c'est des moun qui, ou ka di, c'est des présumés ou bien des moun, et qu'ou pa ka di que bon décision justice qui prend compte, ou pa ka mette yo totalement à l'écart, mais yo ka ton décision justice prononce compte yo. Yo konne, est-ce que yo crime, est-ce que yo pa crime? Et entre temps, dans le cadre de la transition de rupture là, et tout le monde qui a eu un épée d'Amoclès qui pendait sous tête, il faut écarter. Mais sénateur Kassi, en fait, nous sommes au courant de l'information. À cette vol-ci qui t'a parlé, qui t'a dit comment en fait, pouvoir lui-même était partagé en 2016.
est-ce que c'était mensonge parce que lui-même il dit qu'il était en affaires sociales ou t'es un BM pas de débat on liste donc ça veut dire dans l'intervalle que gouvernance ça était possible là c'est certainement gain de monde qui là cap chercher encore qui était dans qui était une responsabilité pendant Petro-Caribéa lui-même comme ça il était disponible dans pays à dépenser donc je pas quoi ça c'est non mais attendez là encore pas aucun problème. Il y a des gens qui participent dans le gouvernement, il y a des responsabilités de participation, des actes qu'ils posent, et il y a des mécanismes qui sont tracés pour les gens pour répondre des actes qu'ils posent, et si ils font une bonne gestion, tout, remercier eux. Ça n'a pas une discussion sur lui. Et même, dit nous avons qui est fondamental. Et c'est ça que je dis à nous, dit nous-mêmes au niveau SDP, secteur démocratique et populaire, nous avons. Et deux piliers qui n'a travaillé sous lui là d'arrache-pied, qui c'est la transparence et la participation. Transparence, c'est qui ça? Je dis à pas occuper personne, mon. Il dit que, quand il y a un gouvernement, il n'a pas participé ou il n'a pas partagé poste. Mais à qui est-ce que le gouvernement? Est-ce que c'est des étrangers qui vont chercher ou bien c'est des objets à prendre, c'est des robots à mettre? Non, c'est des gens qui ont choisi pour mettre là-dedans. Est-ce que nous avons responsabilité autour d'un plan qui définit, d'un agenda qui définit, et que chef de gouvernement a veillé à l'application de l'agenda? Ça veut dire, nous n'avons pas de bon problème sur c'est des Haïtiens, c'est des gens, ou bien des gens qui ont une expertise, qui sont compétents pour aider le diriger, pour le coupable dans quel que soit le pays du monde, c'est comme ça le fait. A pas Biden arrivé comme président, qui est-ce que nous prenons? Pas monde qu'elle connaît. Le mettez avec, mais entre-temps, l'institution a fonctionné. Monde qui pas joué rôle de bien, il a pris des décisions contre eux. Parce que c'est ça qui est important. Parce que moi-même, moi, quand il est temps pour nous finir, à faire ces mondes dans la rue qui condamnent monde ou bien ces mondes dans la rue qui a jugé monde. Il y a une institution qui est placée pour ça. Il y a la Cour des comptes, il y a l'ILCC, il y a notre pays côté tout bagarre fonctionné, il y a le Parlement, il y a le tribunal droit commun. Bon, ensemble des institutions qu'il a pour prononcer sous gestion des mondes, sous action que nous nous posons, sous action. Moi, je pense que c'est là pour aller et qu'on veut, qu'on pas veut. Et si je dis à moi-même, optimum des affaires, ah, ben, si je viens avant, après l'eau pour venir me coûter, mais après les gars, ils viennent me coûter. Mais quelqu'un doit dire le pape vini, pour des conditions pas réunies. Mais c'est d'abord, moi, je me connais pour me réunir, parce que je ne peux pas réunir, moi, je ne peux pas connaître. Faut me réunir, moi, je me connais, moi, qui ai compétence. Ou bien, moi, demande de l'autre monde, chercher de l'autre monde qui a compétence, de monde qui est honnête, qui est intègre, et qui n'a pas gagné pour ce judiciaire, etc., qui n'a pas en affaire à la justice, pour venir bailler payer le coût, suivant des principes de bagaille qui est établi, et ça qui est établi, il doit respecter, et s'il va respecter, le chef gouvernement, il va prendre des dispositions qui concernent les gens. C'est là que, si au niveau de SDP, nous gagnons de priorité déjà que nous avons en fait réfléchir sur lui pour nous. Comment dans cadre transition ça et si nous regardons déjà c'est qui est sur s'il vous plaît les priorités. Les priorités nous c'est garder comment nous capables d'aider la population continuer organiser pour continuer défendre les revendications là par exemple le procès Petro-Caribé et c'est une bagaille que population prend à cœur et c'est procès Petro-Caribé qui cause un pile massacre fait dans le pays. Et gagner de l'autre jugement, l'autre procès encore qui est important, en cours, Batonier, tout l'autre monde qui est tombé, Antoinette Duclair, tout l'autre monde qui est tombé. Yo. Et ça, il y a préoccupé nous parce que moi, quoi que la population a une réponse immédiate sur la question ça. Yo. Et l'autre chantier qui attend tout le monde, et qui c'est là pour consacrer sa relais, transition de rupture, là, nouveau système qui va permettre que nous créions un système à partir de là. Pour créer un système côté monde qui n'a pas ghetto, c'est pas ZAM seulement qui pour le point, mais il y a gagné de l'autre bagaille qui est offert. Par exemple, école professionnelle, etc. Ça veut dire, finalement, il y a une constitution. Et qui vous permet qu'il y ait une nouvelle constitution. Et constitution, ça doit sortir des conférences nationales souveraines qui n'a pas lié. Et il y a une bagaille qui est plus pressante, qui est tous d'accord, c'est comment nous avons offert participation dans la question de rétablir la sécurité dans le pays. Et est-ce que c'est à travers des messages, est-ce que c'est à travers des mondes qu'on gagne pour sensibiliser et tout le monde pour rentrer dans une campagne de sensibilisation pour permettre d'arriver avec un climat sécuritaire
pour favoriser la création de richesses, pour favoriser la création d'emplois, etc., pour toute entreprise capable de fonctionner. Mm-hmm. Et l'autre bagaille encore, c'est combattre la misère. Et nous, nous-mêmes, de façon pas nous, de contribution pas nous, c'est n'apporter. Et l'autre bagaille pour nous dire qui est plus pressant pour nous, c'est comment reconstruire le Grand Sud, qui est important pour nous, parce que nous faisons expérience le 12 janvier 2010, côté Port-au-Prince crasé, pour pas avoir aucune mesure qui prend et qui est pour montrer que nous avons l'autre habitat, un habitat qui est adapté avec la réalité et catastrophes naturelles, tant que séisme, etc. Mm-hmm. Et dernier bagage qui est important pour nous, et que nous tous nous connaissons, c'est le jeu démocratique qui exige, c'est les élections. Parce que nous croyons la meilleure façon pour nous prendre pouvoir, pour nous casser le pays, c'est à travers les élections. Et actuellement, SDP, c'est une force politique qui est plus cadre, plus jeune là-dedans, et qui a milité à travers la République, et qui voulait offrir une autre génération de dirigeants à travers le pays. Mm-hmm. Pour réaliser tout ça, il y a un temps dans la tête, nous, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En tant que ça, il y a quelqu'un qui a très court terme, quelqu'un qui a moyen terme, quelqu'un qui a long terme. Ça veut dire nous segmenter et à partir de segmentation ça, nous travaillons sur yo. Mm-hmm. Ça veut dire beaucoup de temps que la transition va durer. Non, écoutez, transition va durer à un temps à partir de menu et qui acte au bail. Par exemple, temps pour établir sécurité. Par exemple, ça ne me connaît pas qu'à prendre trop de temps. C'est fonds nouveau gouvernement et montons CEP rapide qui crédible, que tout le monde inspire confiance. Évaluer le système électoral là, cadre de dialogue, etc. Prendre mesure et pour établir sécurité dans le pays, mettre tout le monde en confiance, faire réforme, faire conférence nationale là, aboutir avec nouvelle constitution et sous l'égide de cette constitution. C'est sous lit, nous allons faire élection. Hein? Et puis organiser l'élection. Ça veut dire, son bagage, si tout le monde mettait au travail et toute société a offert contribution par eux, et pour moi-même, je pense que quand il y a un calendrier et acceptable et un calendrier et pour moi-même et qui pas pour aller au-delà et dont je vais exagérer. Mm-hmm. Et pratiquement, sénateur Nenel, dans pile monde, quand vous réfléchissez au problème Haïti, vous finissez par remarquer que, et même affirmer que la solution Haïti passe par une entente. Capacité que différents secteurs clés dans la vie nationale la gagne, pour que vous mettez d'accord sur un choix de gouvernance. Je dis à nous qu'on est dans le pays, il y a 3 camps. Il y a Le Pen qui revendique qui a prôné en fait un exécutif bicéphale et mon commission en fait ça qui composait majoritairement des membres de la société civile, yo même tout yo souhaitait que pays a un exécutif bicéphale, donc c'est-à-dire qui lié à sa main comme texte constitutionnel. Mais de l'autre côté, il gagnait donc le PM Ariel Henry et ses alliés qui croient que son exécutif monocéphale. Donc, si en fait nous arrivons, jouons un accord comme SDP, c'est public, l'a négocié, l'a dialogué avec PM Ariel Henry, on dit dans l'hypothèse que nous-mêmes, SDP avec l'ensemble de l'autre groupe, nous jouons y a un accord pour diriger le pays. Donc, on a accord pour que l'ensemble de l'autre secteur, PEN et commission de la société civile, ils ont même yo en dehors. Ça veut dire qu'ils n'ont pas participé parce que tu as prôné un exécutif bicéphale. Est-ce que déjà, ce n'est pas un mauvais départ par rapport au fait que tu as parlé là, tu as gagné une réforme constitutionnelle, tu as gagné en fait un renforcement institutionnel et puis permettre que misère et insécurité à nous aborder, est-ce que c'est pas un mauvais départ puisque déjà go ensemble de secteurs cap en dehors de qu'on a trouvé là. Bonjour, ça qu'a fait là moi même moi plus quoi songer d'influence groupe a gomme pour essayer au même qui pour contrôler pouvoir et peut-être dans la loi sous là
ou pas mentionné trajectoire SDP. SDP lui-même était toujours à militer pour un accord avec tout le monde. C'est ça que fait nous signer un pile accord et sorti à Kaye et pour passer mi-balai avec alternative consensuelle pour arriver et pour arriver Mariotte avec accord Mariotte pour passer Terrasse Garden encore Terrasse Garden qui devine by Mécène et sorti de là tout le monde là qui Mécène c'est celle SDP qui était Kimberly. Et après ça, nous-mêmes, nous venons à parler à tout le groupe. Tant que le groupe peine quoi parler, nous parlons avec elle, sauf que nous ne pouvons pas arriver à entendre nous. Et même Jean-Tou, l'autre groupe société civile qui est dans la tête de Magali Komo, nous parlons avec eux tout. Nous ne pouvons pas arriver à entendre nous bagarre avec eux. Et il y a un groupe société civile qui gagne et Gédéon dans la tête, qui nous parlons avec eux. Et il y a un forum société civile haïtienne qui approche nous tout dans les coulisses. Et il y a un Ndekadou Ariel qui n'a pas la velle pour qui ça peine ni même ni gata parafia à col là nous pas trivé entendre nous c'est que nous pas signer et groupe société civile qui n'a pas lié li parafia à col nous pas arrivé entendre nous et ça fait pour nous même pour parler que des gars avec yo pas évolué mais jodi a Ariel poukou parafia à col là qui fait n'a parlé avec elle mais ça qu'arrivé qu'il ne pas entendre avec Ariel. Si pas entendre avec Ariel, n'a continuer avec revendication population, sinon entendre avec elle avec une masse critique, n'a travailler avec elle parce que tout autant qu'il ne pas signé à quoi avec Ariel, nous pouvons lier avec Ariel. Ça li clair et moi saute montre que en pile l'autre groupe on t'a parlé avec, nous pas signé avec. Nous pouvons signer avec Ariel, ça pas veut dire que nous gantan avec Ariel. C'est si l'en signé avec elle ou capable de questionner sur qui ça va le faire avec elle. Parce que l'expérience qui montre là, même qui c'est le groupe qui travaille en pile là-dedans, qui c'est des gens qui sont habitués à travailler ensemble avec eux, nous ne pouvons pas signer à quoi avec eux. Parce que nous, nous avons des préoccupations qui ne sont pas satisfaites. Même bagaille pour l'autre commission, nous avons des préoccupations qui ne sont pas satisfaites. Mais y a, avec ça qui concerne la question bicéphale et monocéphale, nous, quoi côté nous y est là, pas n'y a aucune provision constitutionnelle qui dit nous, mais ça pour nous faire, mais ça pour nous pas faire. Et c'est ça qui fait l'important pour gagner un consensus et avec différents acteurs et pour permettre nous prendre une mesure pour nous prendre une décision qui allait dans l'intérêt de la population. Et automatiquement, que nous arrivons avec consensus ça, ou pile bagay ki n'ka fè. Est-ce qu'il n'ka jwenn tout le monde? M'pas sûr qu'il n'a jwenn tout le monde. Parce qu'en politique, l'unanimité pas existé. C'est dit ou pas jam ka jwenn vraiment tout le monde. On y a arrivé et établi masse critique là. Et ça me senti par exemple hier après-midi, on rencontre qui était faite ou jwenn bon masse critique qui commençait réunir là. Si beaucoup monde ça rivé entendre yo. Yo t'est arrivé font dépassement. Et je pense que ça a offert un bon départ et qui permet de jeter base pour gagner une démarche vers un consensus large et groupe monde qui a cherché l'autre monde et puis commencer à établir un ensemble de conditions pour favoriser une sortie durable de prison. Si tout fondamentaux et les fondamentaux que nous-mêmes, SDP, nous avons prôné, automatiquement yo qui avec Ariel et gain possibilité pour signer avec elle en dépit du fait que il y a prôné au exécutif monocéphale. Bon jour. Oui, aujourd'hui nous a fait des expériences. Expérience nous tire les leçons d'expérience qui fait déjà. Et fort de ça fait déjà yo fait nous comprendre comment pour nous comporter. Et une bagaille qui est important pour nous c'est rester attaché avec revendication population. M'a dit un bagage là, scoop. Ouais, si SDP pas rester attaché avec revendication population, pour adversaire qui n'est là, pour moun kap goumen contre nous, ah, mais SDP de disparaître. Je dis, m'a dit un bagage, ou mettre noté. Jean SDP ancré en la population, sénateur Kassi met quitté, sénateur Rika met quitté, sénateur Kato met quitté. Et ministre Majori André, député Ulrich, Claudie Sidney, et Minier Hommage, et Camille Fièvre, etc., Axène, ils mettent quitté SDP a continué à exister, oui.
parce que les gon base, les gon ensemble des cadres, les gon ensemble des jeunes à travers le pays qui prend responsabilité. Et c'est en fonction de ça nous-mêmes nous dit n'a avancé. Et ça fait dit gain des bagages qui important pour nous. Ou si nous pas fait des bagages ça yo, SDP a disparaître. Et ça fait toujours mandé moun yo en nous fait effort ça. C'est la transparence et la participation. Ou la transparence là qui s'allie. Si je dis à SDP gain possibilité pour gain 10 gouttes dans main, il dit tout militaire à travers de la République gain 10 gouttes dans main. Il fait la transparence, mais tout va bien passer. Mais quand il y a 1 million en main, il n'a pas fait la transparence, et puis ça cause SDP crasé. Ça nous gagne là, même ça qui est là, investissement que le peuple haïtien fait, après plus que 4 ans dans SDP, nous-mêmes dirigeants, il faut nous gommer pour nous protéger. Et c'est ça qui fait, nous dit, au niveau SDP, c'est fondamental nous, qui est important. Par exemple, procès Petro Caribé, jugement massacre, et conférence nationale souveraine, nouvelle constitution, sécurité pour tout le monde, participation diaspora, par exemple, il y a un bagage qui nous gourmet avec en pile avec Ariel, et dans le cadre de proposition d'accord qu'il dévoyait, ou bien projet d'accord qu'il dévoyait, nous disons que faut qu'on même CEP qui sortit dans la diaspora. Et finalement, avec après un pile bataille, il y a inséré là-dedans. Et nous avons besoin pour construire l'élection qu'on a fait là pour les gens dans la diaspora des possibilités pour voter. Et nous avons besoin pour les prisonniers politiques nous sortir. Parce que je dis à nous avons une masse de prisonniers politiques qui sont dans la prison. Il faut qu'ils sortent. Parce que ce n'est pas crime qu'ils font. Ce n'est pas vol qu'ils font. Celle ça qu'ils font comme bagaille qui est mauvaise, c'est parce qu'ils ont revendiqué pour ces Petro-Caribé. Ils ont revendiqué un autre système. Mais je dis à ne pas trahir moun sa yo, faut que nous continuions pour tes revendications sa yo, et c'est avec haïtien pour nous faire. Nous pas venons une équipe haïtien qui sorti et non l'autre planète qui pour nous faire. Pour nous en garder entre nous, qui est ce qui est capable, qui moun qui réunit conditions pour nous travailler ensemble avec eux. Et nous cassions à quoi avec un groupe. Si nous ouais à quoi pas appliquer, pas respecter, mais nous-mêmes nous pas prêter des cadeaux pour nous tuer revendications population. Parce que guide nous, ça qui a orienté nous, c'est les fondamentaux du SDP. Et moi, je crois qu'il y a dans fondamentaux, ça, même journalistes sont présents. Parce que sous gouvernement Jovenel, ou bien pouvoir Jovenel, là, en plus, journalistes victimes, ça veut dire, il y a dans fondamentaux, ça. Et journalistes, ça a besoin d'un autre système. Et moi, je m'attends de nous, moi, je n'ai pas parlé avec rage, avec frustration. Parce que nous avons besoin de l'autre pays, nous soif pour l'autre pays. Mais SDP, lui-même, l'a goumé en ce sens, fait le crédit, et c'est vrai, et à partir d'un pile coup population en prend, à partir d'un pile expérience qu'il fait, expérience malheureuse, mais il est difficile pour le croire dans politicien, etc. Et pour nous arriver à actif ça, qui est la capital politique qui est là, qui est là, qui est tout le monde jaloux de lui, mais c'est un pile goumé, c'est un pile aller-venir entre population et nous-mêmes. C'est pas ça fake news et diffamation qui a tué SDP déjà. Ça veut dire fondamentaux nous, yo important pour nous et peuple haïtien croit dans démarche SDPA, diaspora croit dans démarche SDPA et nous-mêmes nous prenons engagement qui ne pas trahir peuple haïtien parce que peuple ça a souffert trop, le rivé dans moment pour les grandes équipes monde qui dit après tirer dans salier là. On promet pour transition de rupture, on promet pour l'autre système. N'a gommé pour institution nos fautes, n'a gommé pour camper dans l'autre pays, mais n'a continué à aller dans ce sens. Et nous croyons place tout le monde là-dedans, sauf le monde qui fait crime financier, crime de sang, place yo pas là. Mais après ça, tout le monde qui veut offrir service avec le pays, faut créer espace pour ça. Faut nous camper sous message division, sous message et qu'il faut nous yon manger l'autre. Au contraire, il faut nous garder comment pour nous réconcilier la nation. Ça, c'est important. Puis, il y a des gens fâchés parce que nous ne parlons pas avec un monde qui est PHTK et moi, je suis avec un monde qui est PHTK. Ils ont été haïtiens. Depuis, ils n'ont pas fait crime, ils n'ont pas fait crime financier, ils n'ont pas fait crime de sang. Il faut nous parler entre nous et c'est nous pour retirer le pays dans ce lieu-là.
SDP pour aller vers le monocéphalisme gouvernemental ou bicéphalisme gouvernemental? J'aime ce plaît pour nous. Nous pas gain une provision constitutionnelle claire qui dit mais qui côté pour aller. Et c'est vrai cadre juridique nous les petits gens bouillés dans question ça. Parce que gain un côté jodia et nous-mêmes au niveau opposition nous dit que mandat Jovenel finit 7 février 2021. Blanc lui-même qui installé Ariel, lui dit mandat Jovenel t'a fini 7 février 2022. Ça veut dire et dans logique blanc et mandat Ariel comme premier ministre a fini 7 février 2022 si pas grand accord politique. Nous-mêmes nous pas assujetti, nous-mêmes nous pas liés pas arrêté Jovenel te prend pour te nommer Ariel. Ça nous pral lié si accord n'a signé avec Ariel qui a dit mais qui ça pour le faire mais qui ça pour le pas faire. Et si en dans accord ça nous dit si article 149 là capable appliquer. OK, nous pas de problème. Si comme ça tout dit c'est une démarche bicéphale, nous pas de problème parce que y a une bagaille qui me veut peuple haïtien noter. Depuis là au fin lagué et Messène Joseph nan men nou pou kont nou nou di nou menm nou pa chwazi nou pa bezwen ni président ni premier ministre parce que n pa goumen pou pouvoir comme ça. Sèl côté n konnen pral goumen pou pouvoir c'est là que tout bagay mete en place nan cadre transparent an ben nou pral goumen nan élection avec grande famille politique nou pour nou rive pran pouvoir et continuer et renforcer base qui a jeté pour casser système ça pour nous arriver avec rupture avec système ça et c'est dans logique ça nous même nous inscrit et m'am dit tout le monde SDP pap et fait faut les pap dévier de ligne nous quoi il y a pile monde qui fait attaque sur SDP nous connaît yo mais nous habitué à ça SDP prend pile de l'eau il prend pile coup mais nous toujours sorti renforcé et grâce avec base nous yo à travers quartier populaire, à travers section communale, à travers commune, à travers département, à travers diaspora, jeunes nous, cadres nous, nèg sa yo, monsieur, messieurs, dames sa yo, yo impeccable. Et c'est des mondes qui montrent yo à la hauteur des tâches et yo veulent prendre responsabilité pour construire l'autre pays. Et c'est yo même qui kembe SDP et qui fait que jusqu'à des cadeaux, elle met changement yo. Moun qui peut-être a masqué discours yo et pour chercher satisfaire intérêt mesquin yo mais yo pas arrivé écraser SDP confiance yo placé dans SDP confiance yo placé dans dirigeant yo son bagage pour moi-même solide et peuple haïtien lié avec SDP et ça nous engage jugeons sous zak nous jugeons sous action posée mais pas jugeons sous son pensée. Parce que moun ki a bataille contre SDPO, pour moi même considéré comme ennemi peuple là parce que nous font expérience avec peuple là nous travaillons ensemble avec eux les en difficulté nous ouais les moun yo besoin l'hôpital c'est SDP pour contre lui avec Zamil les moun yo besoin les moun yo les enterrements pour faire c'est SDP avec Zamil les gens moun ki nan prison c'est SDP avec Zamil jodi a plein prisonniers politiques l'autre moun c'est pouvoir chercher président premier ministre. Mais c'est nous qui sommes en prison, passer Miagouane, au Cap, au Kai, et Jérémy, passer Saint-Marc, et Akaye, un peu partout, Mibale, et Port-au-Prince, c'est nous qui sommes en prison. Et tout le monde sait, c'est nous qui connaissons sous pression. Les gens ne mangent pas en prison, c'est nous-mêmes. Les familles en difficulté, c'est nous. Ça veut dire, il faut comprendre qui ça est SDP. Je dis à gain pouvoir, tout le monde a goumen, tout le monde a besoin de pouvoir. Mais, Mdekadou, et coup, bataille ça a coûté SDP, et en termes de sacrifice, pète en vie humaine, moun qui endommagé, moun qui dans prison, moun qui dans maon, nous avons des exilés politiques, je dis à. Maïsra Yuri Chevry, il n'est pas là. Dimitri, Kovle, Kopavle, il n'est pas là. Un pile l'autre monde toujours, il n'est pas là. Ça veut dire, son bagage qui coûtait SDP en pile. En termes de coûts, c'est pas coût sur le plan financier seulement, mais tout ça qui est des cadeaux et qui accompagne la bataille. Et moi, je crois que jodia SDP a une responsabilité pour mener le peuple à bon port. Et nous prenons responsabilité, nous connaissons
permis changement vient sous différentes formes. Jodi a son bataille pour pouvoir, tout le monde ouais pouvoir parce que yo assassiné Jovenel, tout le monde a cherché pour voir comment Karali Dra mette sous pied. Mais SDP c'est lui qui prend tout risque. Et toute persécution c'était nous-mêmes. Et yo on est à toute force vous voulez arrêter nous toutes chaque jour et gain menace sur nous etc. Mais nous bataille pour nous arriver côté de river là. Et moi crois que SDP a traversé désert là. Et la privé côté pour vivre avec les Haïtiens. Et dans ce sens, nous avons besoin de participation, tout le monde en général. Nous avons besoin de participation, et chaque Haïtien, quitte ça qui est dans le pays, quitte ça qui est dehors. Et nous croyons que c'est dans ce sens ça pour nous aller. Ça arrive qu'il y ait tout le monde, effectivement. Mais ma critique là, il faut nous joindre. Et nous croyons que les rencontres hier après-midi sont très belles rencontres. Et nous encourageons les acteurs politiques pour continuer le travail, faire un dépassement de eux-mêmes. Et contrairement à ça, je m'entends des captifs, et pas tant de rencontres là, c'était pas sur table discuter. Au contraire, je t'ai regardé documents, comment pour yo et aménager documents pour correspondre avec des idéalistes peuple haïtien. Et moi, fier de mon sabre de chita parce que je pas t'ai défendre et poste. Probablement, il y a demandé aussi au gain d'expertise, si vous avez des gens qui sont capables, compétents, honnêtes, qui réunissent les critères qui sont fixés pour faire des contributions. Parce que c'est avec les gens pour faire. De toute façon, moi, je pense que vous côté cas privé, il y a obligé de prendre responsabilité. Mais, qui a responsabilité, c'est le chef du gouvernement qui a gagné, ou bien le président de la République, ou bien Salia, qui a gagné pour mener le pays, pour dire, mais respect à quoi, mais respect et mécanisme qui est établi, ou bien et plan qui est établi. C'est lui qui a pris responsabilité, ça, c'est pas nous. Et de Kadjou, de façon isolée, ou bien au grand monde qui a pris pause, c'est lui qui met le pays, c'est lui qui peut faire toute bagaille pour continuer. Et Marco, je vais poser deux questions, en fait, et sénateur Kassi. Mais avant de poser une question, je vais poser une question ça. Et je dis à nous, dans la négociation, nous avons choisi, en fait, mettre M. Jean-Louis pour assurer et la transition, en fait, ou bien la gouvernance après Jovenel. Maintenant, nous avons une chance. Le président Jovenel lui-même il pas quitter le pouvoir ou bien il pas de possibilité pour nous faire quitter lui. Jodi a n'a négocié qui considération nous laguer mettre mécène Jean-Louis Net ou bien il sous table négociation nous potel jodi a pour toujours assurer transition. Soit garder ensemble des questions qu'on pose mais après mettre mécène il fait partie des débats qui gagne là parce que jusqu'à présent Jean Sodimna là et est-ce que tout bagaille fini au tranché pour monocéphale. Si tout bagaille fini au tranché pour monocéphale, ah mais laisse ça, nous avons l'autre préoccupation par rapport avec Maître Messène. Mais si le débat pour qu'on finisse, pas rien dit que c'est pas Messène qui a choisi comme président. Mais si tout le monde dit nous va aller dans monocéphale, ah mais automatiquement qu'il arrive dans ça, et laisse ça, nous avons dit qui ça n'a fait avec Maître Messène. Et il y a un bagaille. Et qu'il a demandé, c'est faire un sacrifice pour le pays. Parce que M. Messène a toujours dit ça. À l'âge, il a déjà fait sacrifice ça. Il a changé persécution politique que M. Messène a gagné. Il y a un côté n'a parlé là jusqu'à présent, M. Messène, il y a une interdiction de départ. Si le mal n'a pas qu'à le prendre soin, si c'est l'autre bord et qu'à la nécessité, c'est pour montrer des sacrifices qu'il fait. Et moi, je crois que nous-mêmes, au niveau SDP, et qui ont respect pour le monde, et qui toujours respecté l'engagement, nous, et qui croit que l'en bay monou et Fon Kembel et nous toujours kembe contact avec M. Messène, nous toujours kembe contact avec Prochli et pour nous bay explication sur toute démarche qui n'a pas entreprendre à qui moment de la durée qui mandé pour faire un sacrifice ou bien pour